Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur No Man's Sky pour poursuivre notre aventure, sachant qu'aujourd'hui, les amis, nous allons tester nos premiers véhicules terrestres. Et franchement, c'est plutôt sympa pour le coup. Quelque chose, n'est-ce pas? Est-ce qu'on n'aurait pas quelqu'un du chat là? Ok, bon, du coup, en attendant, je voulais juste vous montrer les petits modules. Regardez, j'ai acheté, mais j'ai pas mis en place. En gros, j'ai profité du fait de ne pas être en vidéo ou quoi pour être tranquille, vous savez, pour prendre le temps de lire un petit peu ce que faisaient les modules et tout ça. Et du coup, j'ai acheté ces trois modules dans des stations différentes du coup. Donc, on va les installer ensemble. Celui-ci, c'est un module du rayon d'extraction. Donc, ça va permettre d'améliorer la puissance, la résistance à la chaleur et l'efficacité du carburant. Ce qui a marqué, hein, joli. Je me contente de dire. Donc, ça va permettre d'améliorer mon rayon d'extraction. Donc pour le côté farm et tout, donc ça peut être cool, je me suis dit, donc let's go. J'ai pris un module rang S, hein, c'est que des rangs S de toute manière, ça m'a coûté toute mes nanites encore une fois. Ce module de scanner, je l'ai pris parce que j'ai vu sur le wiki qu'en gros ça permettait de gagner plus d'argent lorsqu'on faisait justement des... Ah mince, comment ça s'appelle? Ça, des analyses là, vous savez. En gros, quand on analyse des trucs, ça va me donner plus d'argent apparemment. Donc ça a l'air assez stylé. Je me suis dit pourquoi pas le prendre le plus rapidement possible justement. Comme ça, bah, ça va me rapporter plus au fil du temps. Je trouvais votre système ce matin, mais t'inquiète, je vous laisse tranquille. Je vais d'ailleurs changer de système quand je suis. Ouais, ça marche, ça marche. C'est marrant de voir un pseudo du chat du coup arriver. Et du coup, le dernier module de souffle destructeur. Donc ça, c'est pour améliorer les dégâts infligés, le temps de recharge, la taille du chargeur et la cadence de tir de mon arme. De mon arme, le souffle destructeur, celui que j'utilisais à la fin. Et d'ailleurs, je me dis même que je vais sûrement démonter le lance-foudre, qui était l'arme juste avant. Mais au final, j'aimais moins. Parce que pour rappel, pour ceux qui ne se souviennent pas forcément, le lance-foudre, c'était le triple tir comme ça. Et là, maintenant, j'étais passé à ça. Donc je trouve ça mieux de pouvoir sulfater un petit peu. Donc, je pense même démonter l'autre parce que ça sert à rien d'avoir deux armes différentes. J'en utilise qu'une seule et en vrai, bon, c'est pas ce que ça coûte. Je vais démonter celui-ci. Et du coup, on va mettre les améliorations. Ça va être assez cool. Donc, hop, installer, ça c'est pour le rayon. Voilà, et là, vous voyez, pour l'installation, bim, on a le module qui arrive, rang S. Si je le mets là, normalement, c'est bon. Voilà, tout est linké, vous voyez. Hop, let's go. Ça c'est pour le farm. Donc, le scan, ici. Et du coup, hop, on va mettre celui-ci. Mais je vous dis, comme j'ai pas mal d'espace sur ce multi-outil, mais quand même coûté cher et tout, je pense pas le changer avant un moment. Donc j'avais envie de profiter de me l'améliorer un petit peu. Et là, le souffle destructeur, je vais le mettre ici, puisque je vais déplacer ça là. Et voilà, donc tout est amélioré. Pourquoi tout est la même... Non, c'est pas tout à fait la même couleur, ok. Donc normalement, maintenant, je suis un petit peu plus boosté. Donc là, en fait, si j'analyse un truc, normalement, je devrais me faire beaucoup plus d'argent. Donc faudra voir quand j'aurai un truc à analyser de nouveau. Là, sur cette planète, il me reste pas énormément de choses. Mais du coup, c'est sympa. C'est sympa, ça me fait un bon petit up à ce niveau-là, vous voyez. Ouais, ça fait un sacré up quand même, ça va être très très cool. L'exocombinaison, qu'est-ce qui a changé ici? Pas grand-chose. Technologie, je commence à augmenter des slots. Comme ça, j'ai remis toutes mes technologies là-dedans. Voilà, au moins, c'est à peu près propre ce que j'ai. Et dans cargaison, du coup, j'ai mis les données pour le moment. Étant donné que, pour rappel, dans la cargaison, en fait, on peut stocker le double de ressources. C'est-à-dire que ça, par exemple, les données récupérées, si je les mets dans le... Mince, pas dans le vaisseau, pire idée. Enfin, c'est pareil. Dans un slot normal, vous voyez ici, il y a la petite jauge qui me dit que ce sera bientôt full. Je peux en avoir 15, j'imagine, en stack. Alors que si je le mets dans, hop, dans l'exocombinaison là-dedans, vous voyez que je vais pouvoir en stocker genre jusqu'à 30 ou un truc comme ça. Donc ça aussi, il faudrait que je l'améliore un peu. Mais là, on commence à avoir un peu d'espace et tout, c'est cool. Je commence à prendre de plus en plus le réflexe aussi de recharger par ici. C'est vrai que ça va plus vite. Au début, j'avais du mal avec cette interface, mais à force de tout faire par là, en fait, pour les appels de vaisseau et tout, ça commence à venir. C'est vrai que ça va plus vite que de passer par là-dedans, même si je préfère l'interface. Mais c'est vrai que là-dedans, j'ai tellement changé, en fait, les emplacements de mes technologies et tout, qu'à force, c'est plus instinctif de prendre un truc et de le glisser, ou d'aller dessus pour le chercher, pour cliquer, alors qu'il est jamais au même endroit. Communication, toi aussi? Oui. Vas-y, tu lis. Ok, vas-y. Ça parle. La première fois que je me suis envolée vers les cieux, je ne savais pas à quoi m'attendre. La beauté, le mystère, l'aventure, le danger, nous y voilà. Rends-toi à Holo Terminus et transfère tes données. Retrouvons-nous. Mettre fin à la communication. Ok, faut aller à un holo C'était terminus du coup. assez court et direct. Localiser un holo terminus pour envoyer les données. Utiliser C pour scanner les alentours.
Ok. Genre d'ici. Ah ouais, ça marche. Ouais, moi ça vient de me le détecter, ouais. Du coup, ouais, la carte, ouais, c'est ça, avec les donc flèches, on pouvait là... changer aussi la mission, station Atlas, trou noir, machin et tout, c'est ça. De quoi, avec les flèches, on pouvait changer? Maintenant, quand je cherchais sur la carte galactique, c'est vrai que je suis pas encore très à l'aise avec toutes les mécaniques dessus, c'est pour ça. Exploration libre, ouais, station Atlas. Ok, ok. Ouais, moi je naviguais en fait en libre en espérant voir un logo apparaître sur un des trucs, au pire des cas. Oh bah je suis pas doué, je suis tombé tout en bas de la tour. Bon, comme ça le temps que tu montes. Ça. Alors, terminal holographique activé. Plusieurs sources de signalement sont disponibles. Un puissant émetteur conçu pour faciliter la communication holographique sur de longues distances se trouve dans la tour. Activer ou partir? Bon bah moi je vais partir. C'est le mec qui a fait tout ce chemin pour rien. Bon moi j'en ai marre. Donc activer et ça refait comme tu sais l'animation que t'avais pas eu hier, c'est exactement la même. Ok. Pour lui reparler. Donc espérons que. On croise les doigts. Sinon on connaît l'astuce. On connaît la technique. Alors as-tu triangulé ta position? Dis-moi quand tu seras prêt à recevoir les données. Confirmé. Excellent, nous faisons des progrès. Une minute, je vais juste. Artemis me transmet une poignée de données, un graphique stellaire montrant les cieux autour de sa position. Je n'ai aucun équipement, je ne sais pas où je me trouve, je ne sais même pas depuis combien de temps je suis là. J'ai donc opté pour une approche plus traditionnelle, j'ai dessiné une carte des étoiles. Tu trouveras beaucoup de locaux qui pourront faire coïncider nos constellations. Mon vaisseau était par là, donc je ne dois pas être bien loin. On dirait les infos made in horse quand il est perdu, tu sais. Bon, alors, mon vaisseau il devait être à peu près par là, donc. donc je dois être dans le coin aussi, j'imagine. J'ai un peu marché, quoi. Aucune info. Je t'envoie mon traducteur pour que tu puisses comprendre ce qu'ils disent. Tu dois d'abord le calibrer, mais il ne lui faudra que quelques mots. Mettre fin à la communication. Je bonne chance. Qui sait, à bientôt peut-être. Tu dis geek. Je pense que ça marche. Nouvelle technologie, le traducteur d'Artemis. Dispositif de traduction automatique doit être calibré en préchargeant des données de traduction existantes. Il doit être connecté en réseau à Artemis pour fonctionner. À défaut d'accès au service de traduction hot, un circuit intégré permet une traduction en temps réel limitée à quelques mots. Okay. Du coup... Il me dit basse trop petite, du coup je sais pas trop qu'il entend par ça étant donné que j'ai rien mis. Basse trop petite, mais tu. C'est quand tu fais quoi qu'il dit ça? Quand je veux interagir avec le PC, il me dit basse trop petite, faire une capture d'écran ou partir. Ah, t'es vraiment obligé de faire un petit quelque chose, il faut faire une base pour y accéder, mais c'est trop chiant. Ok, et donc là normalement si je m'éloigne maintenant. Même si je me mets genre là, je peux accéder à mon vaisseau. Mais c'est trop bien. Téléportation d'objets activée. C'est ça. Je peux ramasser ça, je peux le rebouger, même si c'est loin. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est un truc qui... Ça, c'est agréable. Ça, c'est super agréable, ouais. Tout est trop bien foutu dans le jeu. Il est où le monsieur d'émission? Ça doit pas être ce côté-là. Je me suis trompé de côté, je crois. Estime Geek. Bah, c'est celui-là qu'il me faut. De toute façon, j'ai pas le choix, hein. Donc c'est chasser des... Chasser des pirates. Et là je me suis pas trompé, j'ai mis dans technologie. Ok, j'ai pris la mission là. Cible de chasse... Oh, attends. Je suis repassé devant une épave là, j'ai vu. Ok. Elle est où la mission? C'était l'épave que t'as vu. Ah, c'était l'épave? Ok. D'accord, bon bah... Ah, y'a du. Bon, et oh, qu'est-ce que vous faites, monsieur là? J'ai détruit trois vaisseaux avant qu'ils aient le temps de me passer à côté. Ah ouais? En fait, y'en a plus, non? Bah là, estime geek augmenté. Ouais? Quoi, c'était ça? Moi aussi. Avant même que la mission soit terminée? Mais c'est incroyable. Du coup, quand la mission va être terminée, on aura pris deux d'estime avec eux ou c'est pas comment? Bah, je sais pas. En fait, mais oui, il reste quand même des ennemis. J'aime beaucoup. Bon, venez, les gars. Oh là là! Qu'est-ce que je leur mets? Ce vaisseau, tu sais pourquoi lui il veut pas crever, en fait il était déjà mort. Ok. Bon bah. Mais what? Ah, c'est pas fini. Bon bah. Nouveau rang geek 3 sur 9.
Oula, il y a du monde là sur moi. C'est normal. Ils sont là pour tuer le boss. Attends, ça c'est toi. Mais ouais, je t'ai collé 2-3 balles, hein. C'est pas faux, mais... Bon, et eh bien... Mais donc là, c'est fini. Steam... Mais c'est encore augmenté, là, les Mais attends, je comprends pas. C'était 3 sur 9. Ah, il faut arriver jusqu'à 9, peut-être. Mais c'est trop... Et regarde, ah, mais il y en a un autre à gauche. En fait, il y a toute une flotte, hein. T'as vu? Oui, ouais. T'as vu à gauche tout ce qu'il y a? C'est trop stylé. Oui, j'ai vu qu'il y en avait plein. Il y a toute une flotte, en fait. Et là, du coup... Et comment on pourrait prendre ça? Métal. Alors, je sais pas si c'est cela ou pas, mais je sais qu'il y a des cargos, justement, on m'avait dit... Tu m'étonnes qu'on voyait des trucs bleus, genre leurs réacteurs ils sont immenses. On dit que les cargos, enfin je savais pas, du coup c'est des vaisseaux dans. C'est un gros vaisseau dans lequel tu peux mettre des vaisseaux dedans. Ouais, c'est ouais. C'est un garage. Mais est-ce que tu peux les choper comme ça ou est-ce qu'il faut les. Peut-être les acheter, hein. Oui, mais justement c'est en les trouvant comme ça donc je sais juste pas comment on interagit. C'est quoi, attends, il y a un truc bleu là. Oh, qu'est-ce. Je suis en train de me poser. Initialisation de la séquence d'atterrissage. Là, regarde mon point. Tu vas sur le cargo et il y a un truc bleu qui. Tu vas vers ce truc bleu et je suis rentrée ah, dedans. Ah, au-dessus ? Ouais, je crois que je vois, ouais. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, ok, ouais. Et en fait, je me suis fait happer par le truc. Wouah ! Je t'attends. Vaisseau amiral. C'est tellement stylé. Et en gros, c'est ça. Ça, en fait, bah, c'est ça. C'est... Tu peux avoir des cargos, t'as différentes classes de cargos et tout, apparemment aussi. Et tu peux avoir la flotte qui va avec et tout aussi, donner des missions. Enfin, il y a plein de trucs à faire en fait. C'est un truc de ouf. Mais ça doit pas aller très vite par contre ce truc là. Ah ça bouge pas, c'est le. Tu le fais avec X, tu le fais venir, tu sais. Ah oh, ok. Alors du coup c'est où qu'il faut aller? Eh y en a de la place. Ah Miral. Non mais c'est immense hein, c'est vraiment immense hein. Oh là 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 là. Oh. On passe par des endroits compliqués à chaque fois. C'est ça, on me dit que c'est ça, normalement le premier cargo, genre si tu le défends par des attaques et tout, bah en fait tu peux l'avoir gratuitement, tu vois. Mais je sais pas du coup si tu as. Si on s'est battu à côté, mais c'était pas sur lui, donc en fait lui il sera pas gratuit par exemple. On me dit que le commandant peut te vendre du coup le cargo. Ouais, justement je suis en train de lui parler pour voir. Vas-y. Oh, je comprends rien à ce qu'il dit lui par contre. La forme de vie est occupée. Geek. Alors faire une offre pour le cargo. Ouais. Ça va pas coûter bien cher. Non, ça va. Non, 18 millions en vrai, ça se fait. Mais prends-le, easy, franchement. Rien du tout, à une OP, c'est terminé, on fait. Hein. Et en vrai, c'est un classe A. Hein. Et du coup, il va y avoir plein de cargos différents et tout, mais c'est ouf. C'est vraiment ouf. 18 millions. Mais du coup, le premier, on pourra en avoir un gratuitement si on le défend contre des pirates. Donc, c'est juste en se baladant de système, si on voit des trucs comme ça et qui se battent, on peut l'avoir. C'est cool. Je comprends pas, tu disais je comprends rien du tout. Ouais, t'as vu. Ah oui, là c'est du Sims. Mais c'est trop stylé. Et en fait, ça te dit toi, voilà, tu peux vraiment l'avoir. Et je crois que tu peux construire dedans et tout en fait. Genre après, c'est. Ah, tu peux build. Ouais, tu peux faire des trucs. Alors, je sais pas ce que tu peux faire exactement, mais je sais que tu peux faire des trucs dedans, tu vois. Non, c'est ouf, hein. C'est ouf. On puis, des nouveaux trucs, hein. Rien que là, tu vois qu'on est à deux dans le cargo. Donc, tu vois, genre, on peut être à plusieurs dedans avec nos vaisseaux et tout. C'est trop stylé, quoi. Je trouve ça trop bien. Si je redécolle du coup. Et puis en fait c'est ça, tu vois toute la flotte qui est à côté, ce qu'on m'expliquait c'est que... Bah tu peux vraiment avoir une flotte toi aussi et tu peux les envoyer faire des missions en fait. C'est ouf. Les possibilités qu'il y a dans le jeu. Là quand tu vois la ouf. Petite flotte qu'il y a là... La petite, pardon. La petite flotte. On n'a pas la même notion de petit. La petite flotte, c'est ok les quoi. Les bébés, comme on les appelle, non mais... Ok, réception du message, là c'est bon, quand tu veux. Ok, vas-y. Je réponds. Ah, te voilà. J'ai trouvé un point en altitude, il me semble. Quand tu arriveras, je tirerai en l'air avec mon multi-outil pour signaler ma position. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Dire à Artemis ce qui s'est passé. J'explique à Artemis que les autochtones ne sont pas parvenus à déchiffrer sa carte stellaire. Les extraterrestres sont même allés jusqu'à affirmer que ces étoiles n'existaient pas. C'est impossible! Je n'ai pas pu m'éloigner à ce point de l'espace cartographié!
Tu as trouvé mon vaisseau. Suggérer que les autochtones ont tort ou demander comment Artemis est arrivé là. On fait quoi? Plutôt le 2, non? Le 2? Ouais. Comment tu t'es paumé là? C'est ça. C'est totalement ça. Alors que je suis en train de parler, des interférences envahissent la communication. Artemis lève les yeux vers les étoiles paniquées. Les étoiles, elles ont changé depuis que j'ai réalisé cette carte. Elles se sont éteintes en... Comment est-ce possible? Que m'arrive-t-il? Je dois me sortir d'ici, je dois... En fait, toutes les infos importantes, on les comprend pas. D'abord, c'est très faible, mais c'est là pourtant impossible à ignorer. Se faisant de plus en plus fort à chaque instant qui passe, un son derrière sa voix, un bruit. Comme si le ver pouvait hurler. Demandez ce les choix me tuent. Réconforter Artemis. Ça va aller, t'inquiète pas. Tu lui tapes dans le dos. On va demander ce qui se passe, hein, je pense que là... Ah ouais voilà. Allez, on lui demande ce qui se passe. Ils viennent me chercher. Je les vois, je les sens. J'ai découvert les glyphes d'un portail voyageur, une passerelle entre les mondes. Je pensais qu'il me mènerait à l'un de tes semblables. Mais maintenant, je ne sais même pas si la voie était réelle. Le passage s'est refermé alors que j'étais encore à l'intérieur. J'ai trouvé cet endroit dans l'obscurité. J'ai pensé que c'était peut-être une planète. J'avais tellement tort, Je vois leur visage, Il y a Mais arrête. C'est très important. Demandez les glyphes ou se taire. On lui demande les glyphes. Bah ouais, je pense, ouais. Mais le mec est en train de se faire emmerder et nous on est là. Réponds. Je ne les ai plus, mes données se sont fragmentées dans le... Je voulais juste découvrir des mondes. Je voulais trouver d'autres voyageurs, je ne... Comme la suite. 16. Avait ton visage, il... Non pas encore, je ne suis pas... Va falloir faire des efforts, Artemis. Le signal se coupe. Alors qu'il crépite dans le néant, j'entends un nom au milieu des crépitements. Apollon. Apollon. Inscrire le code. Donc il y a les glyphes, il y a Apollon maintenant en plus. Une fréquence pour Apollon a été ajoutée à mes contacts Holoterminus. Allez hop, c'est parti Apollon. Bon, on va prendre celui de base, à la limite le vagabond et on va voir. Mais regarde après, t'as le Minotaure. Attends, je prends déjà le vagabond, en vrai je vais tester. Et après on regarde. De toute façon, tu seras pas perdu. Le Minotaure. Regarde après et t'as le Minotaure en 3ème position. C'est un méca. Ouais, ça, le premier, c'est un véhicule tout-terrain. Ouais, ça, on a un genre de méca. Ça, c'est le sous-marin. Ça, c'est un genre de trike. Je joue au box pour pèlerin. Je sais pas. On va tester le premier déjà, comme ça, on verra la base, comment ça marche. J'ai envie d'acheter des trucs pour faire la course. Prends ce que tu veux. Fais ta plaisir. J'arrive. Est-ce que devant, ça pourrait cacher un peu le truc dégueu qu'on a? Je le mets là. Ça peut cacher la misère ou pas? En vrai, je me tâte. On n'en est que tellement peu. Secours. Je le tente. Ok. Comment ça marche ensuite? Il va falloir le crafter, j'imagine, non? Appeler l'exonef là. Modifier. Ah, ok. Donc la modif, c'est ici pour la couleur et tout. Oh, en vrai, il est déjà stylé. Comment ça, la couleur? Ouais, la couleur. Attends-moi, tu le conduis pas. Hein. Comment ça, la couleur? Mais la couleur. La couleur. Quoi? Bah, une couleur, c'est ce que c'est une couleur. Ça fait des jours et des jours que je tanne avec la couleur pour le vaisseau. Oui, bah il y en a pas pour les vaisseaux. Mais il y en a pour l'exoneuf. Oui. Oh. Pourrais peindre le tien. Incroyable, tiens. Non, non, tu t'occupes du tien. Bah pourquoi? C'est moi qui fais toujours les peintures, hein. Ça se passe très bien. En vrai, celui-là est trop marrant, je le garde. Je crois que c'est bon, je suis à 50. Non, je suis à 4. Il rendrait mieux ici, peut-être. Surtout que quand je vais rouler, je vais plutôt voir ça. Je suis à 53. Au pire, on le met sur les deux, je verrai bien après. The cours. Oh. 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 Quitter actuellement un 1, voulez-vous appliquer les changements? Oui, bien sûr. Oh. C'est beau ou pas? Ah, et appeler, c'est-à-dire que je peux l'appeler ici s'il était loin ou quoi. Je vais faire une petite save peut-être. Bah écoute, viens là-bas, tu vas voir. Je l'ai pas conduit encore. Je suis en route, je cours, je cours. Sachant que normalement je vais pouvoir l'appeler sur n'importe quelle planète ce truc là, non? Il est où le petit? C'est-à-dire que si je viens là-dedans, j'arrive. Appeler véhicule, appeler exonef, c'est ça, je peux l'appeler après. Tu le vois? Moi aussi, je veux le placer. Oui, je l'ai vu. Par contre...
T'as ce qu'il faut ? C'est quoi cette petite tête de mort que t'as mis sur le dessus là ? Oui, normalement c'est bon. Tête de mort ? Ouais, une petite tête de mort sur le dessus. Je dis pas de bêtises. Tête de mort ? C'est quoi ça ? C'est pas du tout une tête de mort en fait. Hein. What the fuck ? C'est un... Ça n'a rien à voir hein. Ah. What, la tête de mort ? Sont dans mon... Vite. Comment je le conduis là ? Ah. Il est très stylé, il est giga propre. Hein. J'en avais pile tout de... Oh, ça fait bizarre la conduite. Non, tu conduis pas là, tu m'as attendu, j'espère. Oui, je t'attends. Ah, tout se fait à la souris en fait, ok. Mais je croyais que tu avais posé ton truc. Non, tu m'as pas attendu. Mais tu m'écrases en plus. Mais... Non, mais tu m'as pas attendu pour la conduite. Comment on fait pour ajouter du coup j'ai des trucs dedans? J'ai plus envie de le poser. Ah mais là ça y est, là j'ai mon véhicule. Ah tout ça c'est mon véhicule. Ah ouais, Xonef là. Ok, donc c'est comme le vaisseau et tout après. Accélération. Et du coup, suspension de vol. Suspension ouais, amplificateur ouais. D'adhérence. Justement de glisse. Donc en fait, il va falloir aller débloquer des trucs pour rajouter les... pour ajouter l'extraction, il va falloir les débloquer quoi, on n'a pas de base. Hein. Alors est-ce que je peux le placer par contre? Là? Ah, c'est-à-dire que l'exonef, on peut l'appeler que sur la planète où il y a le... Oh non. Où il y a le truc déjà de placé. Ou sur le cargo. Quel intérêt de l'appeler sur le cargo. Bon, bah, moi, je te fais des bisous. Et je vais le poser plus loin. C'est limité par un par base. Ah ouais. Ah, c'est chiant, ouais, quand je limite un par base. Quand je... Ah, mais en fait, c'est vraiment ça. Tu vas être obligé de faire ta full base de l'autre côté. C'est trop... Ouais, non, mais c'est trop chiant. Comment... Ah, j'avais un petit voilà. Boost, t'as vu? Mais emmène-moi, attends, laisse-moi monter sur toi. Attends, bouge, reviens. Je veux voir si tu... Attends. C'est trop bien. En vrai, c'est stylé, hein. C'est stylé les véhicules. Vas-y, reviens, tout droit. Ça va la conduite là maintenant? T'as réussi à prendre en... Non, mais en vrai, ça va, c'est juste que tout se fait à la souris. Tu tournes tout à la souris. Donc t'appuies juste sur Z constamment. Mais... Pas bien. Mais lâche ta plateforme déjà pour commencer. Non, je la garde. Coucou. Ah merde, ça tu tires bien ça en plus. Je tiens pas du tout. Ça me dégoûte. Ouais, du coup, faudra aller au truc d'amélioration d'Exonef pour faire ça quoi. Je peux pas avoir un grappin et je m'accroche. Par contre, c'est vraiment très chiant le fait d'en avoir. Je peux pas m'accrocher là, attends. Il faut mettre une station d'appel sur le cargo pour l'appeler partout. Ah, essaye là. C'est un peu la même amélioration qu'on a okay, par rapport au vaisseau et tout en fait, ok. Ok, donc il y aurait une amélioration pour l'appeler partout, mais en fait au début on peut pas, ok. Là je pense que je peux le poser là. C'est oui. Méga stylé par contre. Hein. Donc, voilà. Parce qu'à terme l'intérêt ce sera de pouvoir l'appeler partout et de pouvoir explorer les planètes avec ça en fait quoi. Donc, Ça va être trop bien. Comment on fait maintenant? Alors là c'est tout bleu, là il y a quelque chose. Ok, élément organique pour recharger ça. Modification d'Exonef. Oh mince, j'ai roulé sur un truc. Je l'ai tué, je crois. Eh ben. Ah mais c'est ta base déjà là. Mais non. J'ai même pas vu qu'on était arrivé. Ta belle base. Je vais pas mettre de capot. Je peux mettre... Non, je vais pas mettre de trucs sur la portière pour le moment. Cache moteur. Comment ça? Non mais on est où là? Module turbo. C'est trop classe en tout cas. Tu mets tes couleurs. Voilà. Je l'ai mis rose. Fais ce que tu veux avec le tien. Rigole. Ah il est rose. Ouah. Attends, toi t'as un truc au-dessus là. Où ça? T'as un truc ah non, sur... toi t'as une tourelle. Attends, t'as quoi toi dessus? Toi t'as une tourelle dessus, moi j'ai pas ça. Alors moi je n'ai pas de tourelle pour moi, mais toi par contre tu as une tourelle. Ah d'accord, on voit juste le truc différemment pour l'autre. Super, alors on peut tirer sans le savoir du coup. Regarde comme je tourne. On peut pas faire ça avec une voiture dans la vraie vie, j'ai pas le permis mais je sais qu'on peut pas faire ça. Ça c'est pas normal ça avec une voiture. Enfin, pas aussi fluide quoi. Ah, j'avoue que c'est fluide hein, par contre. Ah attends, pourquoi il y a une hitbox ou quoi? Eh vas-y, on joue à Hot Wheels. Tu devais pas faire un parcours toi? Si! Il est où ton vas-y. Parcours là? Ah, il y a vraiment un espace fait... avec? J'ai même pas vu. Wow. Tu fais quoi? Là je farme du dihydrogène. Ok. Je sais pas, je vais tester un truc, j'ai pas vu. On peut vraiment faire espace avec l'exonef? J'espère par contre que c'est stylé. Ah ouais, il saute sur place avec... si tu fais espace. Ah ouais? Il fait un petit jump. Parce qu'on m'a dit de faire shift espace sur la colline. Attends, on va tester ça. Par contre, je crois que tu peux pas faire de virage. Je vais le casser le truc. En vrai, ça va, ils ont fait en sorte que. Il y a une vie ou pas d'ailleurs sur le véhicule? Ouais, que ce soit résistant, je pense. Je sais même pas s'il y a une vie, on la voit pas.
donc là normalement c'est bon. Ah, essayez, là je vois le truc qui est au-dessus du de mon véhicule. Comment j'utilise? Tu le vois? Regarde, regarde en face, tu vas le voir la ligne d'arrivée en même temps, pendant que t'avances. Ah oui. Là où je suis. Waouh! Cette merde! Une course! Cette merde. Et ça fait rien! Ça fait même pas de ce genre de go! Une purement... course! Oui, il faut faire la suite. Aïe! Mais non, je peux pas! Mais aïe! Mais quand je veux le mettre à côté, ça me dit un par base. Donc il y en a un là et un chez moi. Et j'ai dépensé au moins 400, entre 400 et 500 000 balles dans ces conneries là. Je suis dégoûté. Ah oui, il fallait changer de truc avec G, j'étais pas équipé de base, ok. Oh, regarde! Wouah! Est-ce que tu récupères des. Je sais pas, j'arrive pas à farmer avec. Non, mais rentre dedans, tu vas voir, ça farme bien ça. Mais je sais pas si tu peux récupérer. Quand tu rentres dans les cailloux et tout. Le carbone, ça récupère. Ah, ou alors tu vas me dire, c'est pas assez. Ah oui, ça, je suis pas assez puissant pour ça en fait, oui, j'ai rien dit. Je vais prendre mon véhicule pour tester. Ah, en vrai, c'est beaucoup plus rapide que le faire nous-mêmes. Hein. Ok, en vrai, c'est trop bien pour farmer. Et en plus. Parce que je suis un débile, j'avais acheté un truc d'amélioration. Comment installer dessus? Ah, attends. On me dit un truc dans le chat. Peut-être quelque chose que je n'aurais point vu. Toi? C'est étonnant. Ouais. Bah, c'est ce que je disais dans le chat. Quand j'ai fait oh, le direct, on me fait oh Kiki, c'est pour ça que vous m'aimez, mon étourderie. Hein. Comme là, il y a un terminal de Nexona, je ne savais pas créer un nouveau circuit. Là, je peux créer un circuit. Voilà, voilà. Alors. Modifier la piste de course, appuyer sur V pour déposer des points de contrôle. Ok, je nous fais des points de contrôle. Oui, donc en fait, c'était pas si nul que ça. Je me disais, c'est bizarre que ce soit si naze. Hein. Bah, en fait, moi, je commence à être déçu d'avoir bousillé tout mon pognon, quoi. C'est trop bien. Là, ça reste un peu de la merde quand même. Hein. Là, en 2 secondes, genre, je peux farmer trop vite. Hein. C'est trop bien. C'est cool. Attention! C'est tellement la vie. Ok, retourner au départ de la course pour terminer la modification. Je retourne au départ. Ah, je vais former qu'avec ça. Hein. Ça, j'avoue que le jour où on pourra vraiment la voir sur toutes les planètes et tout et. Puis la merde, le circuit, mais viens, il y a un circuit. Qu'est-ce que tu fais avec ton laser? Le jour où on pourra vraiment faire toutes les planètes avec ça pour explorer, pour farmer et tout, ça va être tellement la vie. Pour le faire pop partout. C'est nul. Hein. Il est où ton circuit? Bon, tu peux pas le rater, mais c'est nul. Tu vois le premier, va retourne au tout premier. Ouais. Et tu fais du tout droit. Et après, tu suis la ligne verte. Ça fait rien. C'est nul, c'est ce que je t'ai dit, il n'y a même pas de. Mais non, mais moi, il n'y a pas de circuit. Comment ça, il n'y a pas de circuit? Retourner au point de départ pour terminer les modifications. Bah, je suis retourné au point de départ. Il n'y a rien du tout. Hein. Il y a juste le point de départ. Tu hein, vois pour rien moi. Non. Ah, bah attends. Tu retournes. Ah bah je vois un point là-bas au fond. Attention. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais je suis retourné au point de départ, qu'est-ce qu'ils me veulent là? Ah, je vois des petits... ah oui, je vois des petits trucs au sol, c'est ces petits marquages qu'il faut arriver à voir. C'est naze. Des... bah moi c'est des trucs en l'air quoi, ça se voit bien. Ouais, bah moi je vois le début de l'arrivée quoi. Qu'est-ce que... attends, je vais retourner sur l'ordinateur, ouais. Je vais retourner sur l'ordinateur, peut-être que je peux faire... oh ouais, confirmer. Terminal. Lancer la course. Je vais lancer. Hein. Prépare-toi. Tu te mets devant et je lance. Tu me dis quand t'es devant? Ouais, je suis devant. Ok, je fais lancer. Joueur en lice. Qui lira? Oh, ah, faut aller là-dedans. Oh, démarrer. Non, mais ça, je va suis... être, ça va plus la merde. Je suis même mer, pas non. Dans le bon sens. Ah, si, ça y est. Ah, je sais pas. Moi, ah, ça y est, il y a le truc là-bas. Ouais. Ah, ouais, mais je sais pas que c'était ça. Oh là là. Dégage. Waouh. Oh, on fait une course. Est-ce que c'est pas mieux que les maps Hot Wheels? Attends, pourquoi ça partait à droite là? Ça m'a brain. Je suis passé par dessus. Ça m'a brain là le petit contournement là à droite. Toi tu connais aussi la et piste boum. Moi je sais pas où elle va là. Oh, non, je l'ai raté. Et ça revient au raté, départ. Attendez, attends. Ça revient au départ après ça? Ouais, ça revient au départ. Je vais farmer sur la route. Hein. Ah. C'est le mec, il est tellement en tête. Bon bah tranquille hein. Waouh. Oh là là, non, bah elle pue un peu hein, les coursins. Ah, c'est vachement bien les coursins, j'adore. Hein. Ah, c'est écrit moi première. Non, non. Avec 43 secondes, si, si. Non, non. Ah, bah meilleur temps, qui ira meilleur temps, hashtag 1. Bah attends que ça se mette à jour alors. Moi j'ai pas parce ça. Que le... J'ai un peu peur parce que ça freeze ah. Mon écran. Et j'ose pas toucher la souris. Ah. Ce serait vraiment dommage qu'on perde ta course. Hein.
Ben franchement, et voilà, ça a craqué. Je comprends pas. Tu vois, tu t'y mets à fond, tu crées un contenu quand même qui est assez incroyable. Je pense que personne n'a fait de map comme celle-ci. Et le jeu te dit, c'est trop. Ok. Alors, activer plusieurs sources disponibles. La tour abrite un puissant émetteur à 1. Donc réglé sur Apollon. Oh! Vas-y, lis! C'est Apollon, je l'ai en face de moi, il y a Apollon! Photo, photo! C'est une boîte de conserve. Quoi? La transmission est silencieuse. Moi, l'étranger se contente de me fixer. Allez, allez, choix! J'ai envie de faire le deuxième. Vas-y, vas-y! Le premier, c'est saluer Apollon. Le deuxième, c'est le fixer en retour. Genre les deux qui se regardent. Fixer, dis rien. Vas-y, je vais le fixer. Identifiez-vous, je mettrai fin à cet appel. Ok, ok, c'est bon, je rigole. Oh, c'est bon, on peut parler. J'ai un ami d'Artemis. Non, c'est faux. Le contredire. Il est agréable. C'est toi qui as faux d'abord. C'est quoi cette discussion? Appelle-toi comme tu veux, mais tu ne pourras pas cacher la vérité. Ami est juste une étiquette, une illusion pour mieux supporter la solitude. D'accord. Pourquoi me contactes-tu de toute façon? C'est un coup d'Artemis. Je n'ai pas changé d'avis. Je me fiche de leur étrange rêve. J'assisterai à un rassemblement si je suis payé pour. Même cette conversation me fait perdre un temps précieux. Dire qu'Artemis est en danger. Donc je lui explique qu'il est en danger, tout ça. Ok, son attitude change. La nouvelle semble le mettre mal à l'aise. Envoie-moi tes journaux de données. Je veux le voir de mes propres yeux. Transférer le journal. J'avais envie de refuser quand même là. Juste pour continuer dans le délire du gros troll, genre. Monsieur, vous m'avez mal parlé, c'est bon, salut. Ok, donc il examine, il met sur pause, rejoue les différents segments de grésillement et de distorsion. Il se tourne vers moi, une lueur enthousiaste dans les yeux. Ces bruits ressemblent aux échos des manifestations sentinelles. Tu les as déjà vus, ces drones qui sortent de nulle part quand on interfère avec leur précieuse planète. Mais ces données sont déformées, inversées. Nous pourrons gagner beaucoup de temps si nous parvenons à comprendre comment les sentinelles font pour apparaître si rapidement. Et ces portails renferment peut-être l'explication. Accepté. Alors, qu'en dis-tu? Veux-tu que nous soyons ensemble? Que nous travaillions ensemble? Que nous soyons partenaires? Dis non. Ouais. Tu comptes travailler avec moi, nous devons agrandir ta base d'opération. Je vais t'envoyer à un de mes contacts, il te fournira ce dont tu as besoin. N'oublie pas d'être poli. T'inquiète, je le fixerai. Mettre fin à la communication. T'inquiète, ça me connaît, qui fixe. Tu me dis quand c'est bon que je peux interagir. Ouais, 2 secondes. Attends, je vais m'éloigner un peu pour être sûr que ce soit bien fini. Le fixer, ça me termine. Ah oui, non mais le début, c'était trop le drôle. Le gros blanc. Attends, il y a un truc là. T'es là? Ouais, monsieur. Bon bah descends, parce que j'ai trouvé un autre... Je descends. Un autre truc. On va se retrouver dans un truc alien. Tu peux creuser parce un peu, que... s'il te plaît? C'est ouf. Un peu plus s'il te plaît. Attends, je donne tout. Bah, vas-y là. Non, tu passes là. Attends, les côtés, je te les nettoie. Qu'est-ce qu'il fait votre ami? Bah OK, c'était peut-être pas la meilleure idée au monde quoi. Toujours ça. T'inquiète, je t'ouvre les zones. Voilà, OK, là, let's bien, go. Là. Allez, elle est où la créature? Aïe, tu m'écrases. Je suis à l'arrêt. Tu m'as écrasé avec tes grosses roues. Mais attends, ça part dans tous les sens, il doit y en avoir un quelque part là. Ça va tellement vite, ta petite voiture, c'est trop bien. Bah oui, c'est trop bien. J'aimerais bien m'accrocher dessus. Mais je peux pas. Attends, là-dedans, je peux prendre cher pour les toxines. Attends, je crois qu'il y a un... Je vois un petit logo de patte. Ah non, mais c'est vrai, elle est très loin. Ouais, elle est très loin cette patoune, elle est très loin. À 180. Je continue pour voir. Ouais, mais ça doit être un truc à la surface que t'as vu alors. En regardant vers le bas, c'est pratique ton truc. Hein. Ah bah moi je forme le cobalt là tranquillement. J'adore, en même temps. Ah, c'est trop bien. Attention. J'étais encore écrasé, je parie. Oh, ça va, je vis bien là. Ah ouais. C'est marrant parce que quand vraiment je t'écrase, tu me dis rien et quand je t'écrase pas, par contre, tu m'as pas écrasé là. Si. Bah moi j'ai pas vu que tu m'avais écrasé parce que quand tu m'écrases, je vois bien tes roues sur mon écran. Par contre, il y a un faisceau qui me traverse. Qu'est-ce que c'est toi? Ça traverse d'ici, mais donc. Oh là, oh là. Bon, petite créature,
Elle a pas l'air d'être ici, la petite. Après, est-ce qu'elle est pas encore plus en dessous? Parce que là, je vois un point, mais quand je regarde... En vrai, laisse tomber, hein, c'est bon, on va pas s'embêter avec ça, là. On va aller faire la quête. Hein. C'est quand même la petite dernière, quoi. Hop là. Ouais, mais un truc souterrain, à mon avis, elle est rare et tout, à mon avis, ça va être chaud. Je peux le faire dedans, ça. Save. Je relance. Oh là là, moi, je viens de faire un terminal, en fait, de... de construction. Ouais. Et maintenant, on me demande de recruter un superviseur de base qui m'aidera du coup à agrandir la base, recruter des personnes et machin. Donc, terminal de construction, on y voit. Terminal de construction requiert un constructeur qualifié. Vous pouvez recruter des superviseurs dans les stations spatiales. Donc, faut que j'aille dans une station pour. C'est très stylé. Hein. Et il dort où? Donc c'est ici. Ok. On m'a engagé pour t'aider pendant ce cycle et tous les autres. T'en fais pas, tout a été payé il y a longtemps. Tout se déroule selon les règles. Ok. Superviseur promet d'agrandir ma base, me permettant de recruter d'autres travailleurs. Il a besoin d'un terminal de construction pour commencer. Embaucher. Ok. Je serai à la station d'un clin d'œil. Partir. Ok. Donc maintenant, rendez visite au superviseur à son nouveau poste. Le superviseur vous aidera à agrandir votre base. Les amis, le superviseur là. Voyons voir. C'est trop marrant maintenant. On va avoir des gens qui vont vivre chez nous en fait en plus. C'est trop marrant. Tu as tant à apprendre, tant à voir, et ce lieu sera notre foyer au cœur de l'infini. Prends ce verre et laissons la lumière des étoiles inonder notre charmante maison. Ok, il m'a filé du verre. Ok, donc avec du cristal gelé, on peut faire du verre. Raffiné à partir de produits de silicate, extrayé du silicate de la terre avec un opérateur de terrain. Donc ça, on sait comment l'avoir. Peut-être fabriqué à partir de cristaux de givre, extrait des plantes. Hein. Ok. Et donc, je peux plus bouger là. À terme, tout s'écoule par le verre. Ok, très bien. Si tu prépares du métal chromatique, je m'en servirai pour calibrer un terminal scientifique adapté à une entité Corvax. Ok, accepté. On est là pour tout accepter, j'ai envie de dire. Tout ça en échange d'un peu de métal. Ok, ok, en vrai, le métal, ça va se faire. Donc voyons voir, c'est quoi la quête là? Collecter du métal chromatique pour le superviseur. T'en veux combien là? Dis-moi combien t'en veux là. M'excuser, congédié. Attends, le métal chromatique, j'en ai pas. C'est pas ça? Retournez auprès du superviseur. Votre superviseur vous attend auprès de son terminal. Alors attendez, j'ai dû lui donner alors. Te revoilà, je suis sûr que cette fois-ci tu as les matériaux nécessaires. Je lui demande qui l'a payé pour les services qu'il me rend. Il rit et prétend que c'est mon enfant. Oula, dans de nombreuses années. Oula. Ok, le superviseur me demande le métal chromatique. Donnez le métal. Parfait mon ami, je savais que tu arriverais. Juste qu'il me fallait pour terminer les plans. Ok. Ok, nouvel élément, terminal scientifique. Ça y est, conçu pour les scientifiques, ce poste de travail est équipé pour la recherche et la création de plans scientifiques. Très bien, je peux le faire. Ouais, ouais, la poudre de silicate, justement, ils me l'ont dit pour la forge. Et on l'avait déjà fait, nous. C'était Kilira d'ailleurs qui me l'avait fait remarquer que ça faisait du verre. On l'avait déjà fait, ça, ouais. À cause de notre avidité, voyageur, l'univers et Rends-toi dans une structure et récupère les données des terminaux. Je les utiliserai pour les plans d'un conteneur de rangement. Là maintenant, il va me refaire faire un conteneur que j'ai déjà. Ça, on va lui dire accepter, hein, faut que j'avance.
Ok. Donc faut que je fasse déjà un terminal scientifique. Ça veut dire que je vais devoir recruter aussi un scientifique pour autre chose, c'est ça? Je pense qu'il va y avoir un délire comme ça aussi. Terminaux. Scientifique. Je sais pas trop où le mettre par contre. Hein. Attendez. Il y a des drones chez moi là? Et ça va être bon. Il y a des drones à la base. Quoi? Il y a des drones à la base. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il y a des drones à la base, c'est tout. Hein. Mais méchants ou gentils? Ils ont pas l'air très gentils, quoi. Oh là là. Ok, ça y est, par contre, il y a lui. On va rallumer du coup, hop, la petite lampe. Le petit scientifique. Alors, ok. Voyons, on va voir ce qu'il fait. Demander de l'aide, accueillir. On va l'accueillir. Honneur, monolithe, tout ça, tout ça. Ok. Donc lui, acide. Élément, mordite et moisissure fongique. Mordite, j'en ai déjà eu. Les moisissures fongiques, je crois pas que j'en ai eu. Donc il me débloque l'acide. Très bien. Enregistré dans le catalogue. J'ai un nouveau plan aussi. Ok. Ah, on peut appuyer sur T pour la lampe directement. J'avoue que ce serait beaucoup plus pratique. Ouais. Donc récolte des bulbes de lumiflore cavernicole. Et il en fera plus créer des plans de microprocesseurs. Ah, et de raffineurs avancés. Ah, parce que pour rappel, les microprocesseurs, jusqu'à présent, je ne savais que les acheter. J'étais incapable de les créer. Et donc là, en fait, c'est avec lui qu'on va pouvoir les créer. Alors ce que j'aimerais bien comprendre, voilà, c'est bon là c'est la quête et tout, mais après une fois que je serai libre, c'est quoi? Ils me débloquent des crafts ou c'est eux qui craftent directement? Ok, donc là à mon avis j'ai plein de quêtes encore qui se font. Voilà, recherche scientifique retournée auprès de lui. Fouiller un bâtiment abandonné, donc ça c'était pour l'autre. Et ok, et ça c'est pas... On va aller voir du coup le scientifique, faut lui reparler déjà. Ok, c'est ça, il me débloque en fait des crafts. Ok, obtenez les bulbes machin, donc ça c'est les trucs à aller fermer pour lui. Ah oui, les bulbes, oui ça je m'en souviens, c'était le truc que j'avais été chercher. Et du cobalt sous la terre. Et en fait avec ça il va me faire une recherche du coup. Mais juste du coup, donc ça va être des quêtes constantes. C'est à dire que continuellement en fait je vais pouvoir développer mes recherches avec eux en fait. Et ça ils vont me donner en fait ça va être des quêtes secondaires qui vont faire que se renouveler au fur et à mesure que je vais les accomplir en fait. Et ça, ça va être un peu comme le truc d'exploration sur toutes les planètes etc. C'est des trucs qui vont rester ça. J'imagine que je peux pas le finir rapidement quoi du coup maintenant. Ok. Donc pour l'instant on a juste le scientifique et lui, ok c'est intéressant. Bon ça farmer ce qu'il veut, en vrai lui, je pourrais aller farmer ce qu'il veut très rapidement. Je vais aller lui faire vite fait au pire. Attendez, on va faire le scientifique parce que les bulbes et le truc c'est juste en dessous. Ça peut aller très très vite ça. C'était ça par exemple. Ah non ça c'est sac bourdonnant, c'est pas... Ah mais si c'est là-dedans qu'on avait les bulbes machin. Non mais regardez-moi la taille du truc par contre. Il est incroyablement grand lui. Hein. Je sais plus si j'ai fait une save, je vais aller au vaisseau vite fait. Ouais, pour chaque mission en fait tu débloques une recette, ouais c'est ça. Je comprends le délire. Je comprends le délire. J'en ai déjà débloqué d'ailleurs des trucs là ou pas? Pas encore, hein. Si. Ah bah si du coup, ouais, lubrifiant ça il me l'a débloqué, acide, vert. Ouais en fait c'est pour ça qu'à partir de maintenant ouais, y a plein de choses qui vont arriver quoi. Ok. Donc ouais je crois que les sacs bourdonnants c'était ce qu'il me fallait du coup. Juste celui là normalement j'avais déjà été. Donc je pense que je vais aller à un autre. Faudrait que je me balade un peu et que j'en trouve ailleurs. Ou à moins que je le vérifie du coup au cas où. Je vais quand même le vérifier. J'ai bien fait d'y aller au final. Ah non mais c'est pas ça qu'il me faut. Obtenez bulbe lumi. Non c'est pas ça en fait. C'est pas le bon truc.
Ah, c'est ça, bulbe. Ah, ok, c'est ça. Bon, bah si, j'ai bien fait d'y aller alors. Alors, par contre, il m'en faut. Ah, c'est bon, c'est bon, on a donné 11. Par contre, il me dit de ramasser du cobalt aussi, mais il me dit pas combien. Ouais, avec un peu de chance, c'est ça, je pourrais trouver ma dernière créature, mais bon. En vrai, les petites grottes comme ça... ouais, remarque. Ça pourrait, hein, parce que là-bas, ça... ça va un peu plus loin. Je l'avais oublié, cette dernière créature, justement. Ah, ce serait ouf que je la trouve, là. Ce serait trop bien. Je trouve ça bien aussi qu'il y ait justement des missions comme ça qui me demandent de farmer des trucs spécifiques. C'est le genre de truc en fait, c'est des ressources qui sinon ne servent pas à grand chose. On sert tout le temps des mêmes ressources et tout, et là au moins bon, on farme des ressources même si c'est pas pour faire un craft de suite avec. Au moins c'est quand même un objectif de la récupérer pour quelque chose quoi. Donc ça c'est cool. Hop. Ouais, ouais, de toute façon, je vous dis, moi je termine mon live tranquillement. Je vais peut-être rester encore, je sais pas, 20-30 minutes. Et après, j'irai l'aider, de toute façon, pour qu'on se remette à jour et qu'on voit où ça en est. C'est vrai qu'en plein live, c'est pas évident. Puis surtout, on est en fin de live en fait. Ça aurait été au milieu, je dis pas, mais là, c'est vrai qu'on est en fin de live, donc je dois juste terminer ce qu'on fait. J'entends l'autre au-dessus de moi là encore. Et tout mon entrée là. Et tout l'entrée. Je crois que je vais recreuser, hein. Je vais remonter comme ça parce que là. Bon, après, ça sert à rien que j'en récupère plus. Ouais, ça vaut pas grand chose. Le cobalt par contre, c'est pas mal. Oh, cobalt ionisé. Ah, mais j'avoue que le cobalt, on pouvait le transformer. Il vaut encore plus cher. Hein. 40, ça vaut déjà 20 000. Ouais, bah non. Mais clairement, il faut l'ioniser du coup. Ah non, mais ioniser par contre pour la création, c'est quoi? Ouais, non, c'est juste traité comme ça. Hein. Alors, comment on monte? C'est quoi? C'est des. Ah, mais c'est les sentinelles que j'entends en fait. J'ai cru que c'était la créature là de tout à l'heure. Bah voilà, je suis remonté. Ça passe. Mais en fait, les sentinelles là qu'il y a, c'est pas depuis qu'il y a lui là. C'est pas lui qui aggro toutes les sentinelles autour. Bien sûr, c'est lui qui les a ramenées là. Du coup. Le scientifique, normalement, on est bon. Ah, c'est cobalt plus O2. J'ai vu d'ailleurs sur le wiki qu'il y avait toutes les recettes et tout, donc c'est vrai que c'est pratique. Si je me pose une question, au moins, je sais que je peux l'avoir rapidement. Donc voilà, je vais lui remettre les ressources. Ok. Donner du cobalt. Voilà. Et donc, il m'a débloqué la grande raffinerie. C'est beaucoup trop bien. Et là, je pourrais mettre 3 substances pour les alliages. Le microprocesseur, par contre, du coup, je l'ai débloqué, ça y est. Ouais, ça y est, c'est maintenant que je le débloque. Donc là, si je vais là-dedans, hop. C'est ça, microprocesseur, c'est du métal chromatique et des nanotubes de carbone. Ok, ça avance. Hein. Alors, ça avance, mais ouais, voilà, il y a toujours ce petit moment où... où il y a la conversation qui reprend.
Ok, il veut que je l'emmène, que j'emmène son noyau de personnalité dans une tour de transmission pour réaliser une analyse. Voilà, bon, ça c'est la prochaine quête, je vais pas le faire hein, du coup, parce que là je pense que ça va être quête pendant un bon moment pour débloquer des nouvelles choses et ainsi de suite. Mais au moins on a compris un petit peu le délire avec le scientifique et avec le. Et avec lui, du coup, avec le chercheur, quoi. Un scientifique-chercheur, c'est quoi? Bah oui, c'est pour la base, quoi, là, vous avez compris. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment très intéressant. Ça, c'est intéressant. Donc ça, je vais sauvegarder. Ce que je voulais savoir aussi au niveau des quêtes. Au niveau des quêtes. Donc ça, ok, on verra plus tard. Ça aussi, on va les faire petit à petit, de toute manière. Mais ça fait beaucoup de choses à faire, du coup, c'est cool. L'archive. Pour l'instant, il n'y a rien. Ça, ok. Et du coup, voilà, les fantômes dans la machine, retourner dans l'espace et contacter Apollon. Bon, ça, c'est la trame principale, donc je ne vais pas la continuer maintenant. On va essayer de débloquer Kilira justement pour pouvoir le faire ensemble. Ça, c'est l'Atlas. Informer Nada. Ok. Donc là, je pense qu'on est bon pour s'arrêter vers ici.